Bonjour. Et 12e siècle, Marie de France, le prologue des Les Bretons. Qui Dieu a donné science et de parler bonne éloquence, ne s'en doit taisir ni se les as, se doit volontiers montrer. Quand un grand bien est m'autrui, et donc à prime est-il fleuri, et quand loué est de plusieurs, donc a épandu ses fleurs. Coutume fut aux anciens, ce testimoigne précis, en livre que jadis faisait, assez obscurément disait, pour ceux qui à venir étaient, et qui apprendre les devaient, qui pussent gloser la lettre et de leur sens le surplus mettre. Les philosophes le savaient, par eux-mêmes entendaient comme plus trépasse rélitant, plus seraient-eux subtils de sens, et plus se sauraient-eux garder de ceux qui errent à trépasser. Qui de vice se veulent défendre, étudier doit et entendre à graves œuvres commencier. Pour ceux, sans poids plus éloignés et de grandes douleurs délivrés. Pour ceux, commencer à penser d'aucune bonne histoire faire, et de latin en Rome entrèrent. Mais ne me fut guère de prix, tant s'en sont autres entremis. Délai pensait, qu'oui avait. Ne doutez pas, bien le savait, que pour remembrance les firent des aventures qui louirent, s'ils, qui priment les commencières et qui avant les envoyèrent. Plusieurs années, oui, comptées, ne veulent laisser ni oublier. Rimer en est et féditier, souvent fois en éveillé. En l'honneur de vous, noblesse, qui tant êtes preuves et courtoise, à qui toute joie s'incline et en qui cœur tout bien racine, m'entremider les assemblées, pari me faire et recompter. En mon cœur, pensait et disait, sire, qu'est-ce vous présenterait si vous les plaît à recevoir? Moult me ferait grande joie à voir. À toujours mes en serez liés. Ne me tenez à surquidier. Si vous os faire icesse présent, or, rouillez le commencement. À bientôt.